Nicolas Pavesi, déjà tu interviens beaucoup au sein de la commission, hein, du pôle évolution professionnelle et tu lances un nouveau service, un service qui s'appelle Allo CV. Alors quel conseil déjà un peu original, un peu pointu, tu peux nous donner si on doit écrire un CV? Alors, évidemment, les conseils. Le premier conseil, c'est d'être clair, concis et court, ne jamais dépasser une ou deux pages. Et dans le petit truc que j'ai noté souvent, c'est que les gens sont attachés en fait à leur titre qui est sur leur bulletin de salaire et ne pensent pas à la fonction en fait. Et vis-à-vis du recruteur ou de l'employeur, il faut bien communiquer plutôt sur la fonction, quitte à laisser tomber le titre qu'on avait sur son bulletin de salaire, tout Ah bah bêtement. oui, c'est vrai. Moi, je pense qu'à l'époque, je mettais effectivement mon titre. Enfin, je revois ça. Et d'ailleurs, le titre, est-ce qu'on le met sur les réseaux sociaux ou comment on optimise un peu ces réseaux sociaux dans une recherche d'emploi? Alors aujourd'hui, les réseaux sociaux, ils sont devenus incontournables. Que ce soit vidéo, LinkedIn ou tous les autres sites professionnels, il faut être présent, il faut être vu, visible, et il faut adopter une démarche aussi professionnelle, se présenter comme on le ferait avec un CV, en étant clair, concis. Et puis un autre truc aussi à donner, comme les recruteurs ou les employeurs s'en servent beaucoup pour sélectionner des profils, si son projet professionnel, ben, par exemple, c'est directeur marketing dans le luxe, il faut soi-même faire une recherche sur ces réseaux pour voir si son profil va apparaître dans les deux premières pages de ces sites. Si tel n'est pas le cas, il faut retravailler sa présentation en termes de mots-clés, en termes de titres, de fonctions, justement, pour pouvoir apparaître. Il faut carrément faire du référencement sur soi-même, alors c'est ça que tu veux Exactement, dire? c'est un peu le personal branding appliqué au réseau professionnel. Eh bien merci Nicolas, je pense qu'on a tous du travail.